dans un nouveau jeu de... Société. Société qui s'appelle comment? Aladdin. Zéphyr. Alors Zéphyr ou Aladdin? Zéphyr. Aladdin pour Océane, Zéphyr pour Corentin. Donc bon, après vous n'avez pas tort. Alors Corentin a raison parce que ça s'appelle Zéphyr, mais par contre c'est le tapis volant d'Aladdin. Donc voilà, je vous montre à quoi ça ressemble. Parce qu'à l'arrière, il y a marqué plonge ta main dans le sac d'Aladdin. Donc voilà, c'est donc c'est un petit... Non mais moi, on le reconnaît parce que là ça... Oui, il ressemble au tapis volant d'Aladdin, oui. Mais on va dire que c'est le jeu qui est... Aladdin. Ah, Aladdin. Ouais, un peu. Voilà. Alors les amis, c'est un jeu d'adresse. Alors apparemment, il y a un sac rempli de trésors et il va falloir les prendre et les mettre sur le tapis volant sans le faire tomber. Bah oui. Alors les loulous, voici la boîte. Donc c'est un jeu de chez Goliath, ça se joue... Non, à partir de 4 ans, ça c'est cool. Et 2 joueurs minimum. Alors, on y va. C'est un jeu qui dure à peu près 15 minutes. Oui, tu peux. Alors, on va l'ouvrir. On va essayer de ne pas déchirer. On peut jouer très bien à 4 joueurs. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, les amis. Dites-nous dans les commentaires. Pourquoi 2 joueurs? Donc là, la boîte, on va tout sortir. Je pense qu'on va accélérer ça. Donc, on va tout sortir parce que regardez, c'est tout rangé à l'intérieur. Donc, on y va. Puis, on va faire un petit accéléré en musique. Allez Loulou, maintenant qu'on a déballé, ben maintenant il va falloir le monter parce que c'est en pièces détachées. Donc, je sais pas si vous voyez, il y a un fil qui tient les deux. Là, on a quoi? On a plein de petits, ben, les petits trésors. Regardez. Apparemment, il y en a 36, je crois. Les bleus sont... non, les verts sont... Non, 32, pardon. Ouais, vert transparent, c'est trop. Et c'est mou, t'as vu, c'est mou, c'est marrant. Un petit sac, et puis bah, ça, je sais pas, c'est pour tenir en fait le tapis volant en l'air. Et on a même un aimanté. Petit fil. C'est aimanté pour voir qui vole vraiment. Ouais, c'est c'est aimanté. Et c'est bien parce que ça marche pas à pile du coup. Parce que moi je croyais que ça marchait à pile. Oh, et là nous avons même un petit fil de remplacement si le fil ici casse. Alors, on y va, on va monter ça et puis on va lire la règle et puis bah, on va jouer. Alors les loulous, ça y est, on a monté Zéphyr. Donc comme vous pouvez le constater, eh bien il n'y a rien. En fait, il n'y a rien. Non, il n'y a rien qui le tient. En fait, c'est magique. Aimanté. C'est aimanté. Mais voilà, en fait, il tient en suspension. Et plus, c'est tenu par le fil. Et avec le petit scarabée, plus on l'approche. En fait, plus on allonge le fil, plus il tient. Donc plus c'est facile. Et plus on a... On va le mettre quand même un tout petit peu suspendu parce que... on l'éloigne et plus ça devient difficile. Ouh là là. Mais sauf qu'il faut le laisser accrocher. Voilà. Non, quoi. Et plat. Et là, il vole, là, il tient pas du tout. Donc, bah écoute. On va le mettre comme ça? On le met comme ça? Ouais. Un peu plus facile pour commencer. Hein. On va mettre un peu plus facile. Après, on refera une un peu plus dure, voilà. En fait. Donc là, il faut pas qu'il touche, par contre. S'il touche un... Voilà, bon, on va voir. Hein, on va essayer comme ça. Et le but du jeu, c'est de mettre donc des petits trésors, chacun notre tour dessus, et de ne pas le faire tomber. Donc voilà, les amis. Donc, ça va, mais c'est facile. Franchement, pour le moment, je trouve que le procédé est super sympa. Je vais montrer un petit peu. Ah ouais, et dès qu'il va se cracher, il va se cracher. Regardez, il y a des petits. C'est super bien fait, moi, je trouve. Il y a des petits coffres. Trésors. Voilà. Donc là. Alors, on commence avec. Oh, c'est on. Alors, Océane va tirer un petit truc. Alors, vous comprendrez, vous avez compris. Donc, il faut poser dessus. Il faut pas faire tomber. Si vous faites tomber, il a perdu. D'accord. Et après, il y a un truc qui va se cracher. Alors, qu'est-ce que tu as tiré? Attends, j'ai eu un... C'est un petit collier. C'est un petit collier bleu. Voilà. Donc, il faut le poser dessus. Voilà. Donc, ça c'est léger. Ensuite, on va continuer avec maman. Et après, à moi. Mais pourquoi il y a deux joueurs? Pareil, un collier
Punaise. Alors je vais le poser là où c'est un peu plus haut. Ok. Hein? Petite fauteuil. Vous voyez comme c'est magique, moi j'adore ce jeu. Enfin, je vais tourner, mais. Non, un petit pas. Oreiller. Un petit oreiller. Waouh. Petit oreiller de cristal. Alors là pour le moment tout va bien. Ah, ouais, mais moi je suis pas bien de poser là. Oh, moi je le trouve super ce jeu. Franchement, je trouve. Attention de pas toucher avec ton bras. Hein. Parce que si on le touche avec son bras, et ben il va tomber. Ouais, il y a tout qui va tomber. Oh, j'ai touché une petite. Oh, la lampe d'Aladin. Ce rêve bleu. Ce rêve bleu. Non. Bon, en fait, ils ont fait les provisions. Hein. Oh, c'est pas facile parce qu'il tourne. À savoir. Je vais t'offrir un mot. Je vais t'offrir un mot. Oh, un oreiller. Un oreiller. Avec un petit vase. Un petit vase. Oh, je l'ai lâché. Oh. Oh bah c'est clair, déjà. Alors, il commence à être bien rempli. Ma proche. Alors on continue. Regarde un petit peu. Et bien Aladin il fait ses provisions. Hein. Oh, Aladin, il a faire Aladin, il y a les petits scarabées. Je sais pas. Oh, petit scarabée, oui, comme dans Aladin, c'est le scarabée qui se sépare pour faire les yeux du tigre qui sort. Je sais pas si c'est des scarabées. Si, c'est un scarabée. Tu peux le manger aussi si tu veux. Non, c'est pas vrai. Bah vas-y, mets dessus. Non, ils ont pas comment ils ont pour manger. Ils disent que ça a le goût du caramel. Ça mène sur le. Oh, moi j'ai tiré un coffre. Oh, ouais, c'est les plus lourds que ça. Ah, il s'ouvre pas. Ah, moi j'ai tiré un gros gros coffre. Je pense que ça va être très lourd ça. Moi j'ai une montagne de pièces. Ah non, pas vrai. Je sais pas, mais en fait on sent. Il a tenu. Yeah. Je l'ai senti du coup. Oh, peut-être que si tu la frottes, il y a le génie qui va sortir. Non. Ça ne marche absolument pas. Ça ne marche absolument pas. C'est un fake. Remboursé. Remboursé. Il n'y avait pas de génie dans la boîte. Remboursé. Il n'y a même pas la non dans la boîte. Que non, 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 très beaucoup, regardez. Allez. J'aurais quand même pu faire un petit génie là. Hein. Ouais, un tout petit génie bleu comme oh, ça. Oh, des pièces. Bah, elle est grosse ça là. Oh, mais moi je voulais. Ce que je voulais. Mais non, parce que c'est super lourd en fait. La pièce est super lourde. Ouais, mais en vrai, le plus lourd, c'est escarbée. Ah. D'accord. Encore un coffre au trésor. Et il va le faire pocher. Un petit collier. Alors je sais pas si on est en mode facile ou difficile, mais là ça. Je sais pas s'il faut que ça touche. Alors dites-nous si vous l'avez dans les commentaires, les loulous. Non, c'est pas grave. Ah, ça. Ce petit jeu, parce qu'on sait pas si ça doit toucher ou pas. Normalement, ça doit pas toucher. Mais peut-être un niveau facile, ça touche. C'est plus dur. C'est parce que là, c'est plus dur si ça touche pas. Enfin, je bon. Je sais pas. Alors pour le moment, on a bien fait tomber. Alors regardez où vous regardez. C'est en mode facile. Et aussi voilà les couteaux, je sais pas ce que c'est. Elle a un petit poignard. Un petit poignard. Oh, un poignard. Oh, mais... Ou un piment bleu. Allez. Moi je mange du piment, mais moi je mange un piment rouge. Un collier bleu. Pense à lui, c'est lui, allez, hop. Attends, choisis pour toi. Ah non, 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 non. What? Je sais, elle va te tirer une montagne de pièces là. Qu'est-ce que c'est? Oh, encore un coussin. Bon, ça, c'est un peu lourd. Hein. Un coussin vert. Un coussin vert. Ça, c'est le coussin. Ça, c'est le coussin de quoi? Oh, le coussin ouais, c'est le poignard. Tu veux une base? C'est le coussin de pote, j'ai un petit poignard. Oh, il veut mon minuscule quoi. Il ne fait pas peur. Il est joli, n'empêche, ce petit tapis. Il est trop beau. Ah, je sais pas si vous avez remarqué les amis, mais il s'est redressé vers l'arrière, il s'est baissé, il s'est redressé un peu plus vers l'avant, donc il commence à partir en arrière en fait. Donc, ouais, il commence un peu, ça commence à se compliquer. Qui va tout faire tomber? Suspense. Oh non, j'en ai marre de perdre, Je ne perdrai pas cette fois. Je vous le dis, notez-le bien, cette fois c'est moi qui gagne. Et oh, tu triches Germaine là. Oh Gertrude là, non, tu triches. Tu triches. Elle va prendre les jeux. Oh, elle a pris une montagne de pièces, même. Ouais, ben c'est très lourd, voilà. Ah, t'as triché, ben voilà. T'as pris le plus lourd. Et c'est toi qui vas faire tomber. Bim. Et voilà, paf. Ah non. Le gendarme maman qui m'a posé un coffre. Ouais. Ben moi, je tire tous les coffres, en fait. Oh, maman a pris un petit scarabée. Oh, le trop beau, le sami. Ouah. Chut. Tu veux pas bouger. Le petit scarabée. Il est trop beau. Et moi aussi. Calabée. Arrête de bouger. Dis-moi, Rocky. Ah, tu peux poser. Arrête de bouger. Pas bouger, assis. Oui. Oui.
Moi aussi j'ai posé un petit scarabée. T'as mis quoi toi? Bah un scarabée. Ah, j'ai pris un scarabée. Vous êtes sûr les amis, dites-moi dans les commentaires. Oui, je pioche un scarabée. Un carabée. Un carabée. En vrai, ils ont pas tellement, ils ont mangé. Vous savez quel goût ça a? Ils disent que ça a le goût du caramel. Il y en a d'autres du caramba. Oh, regardez! Non, mais c'est vraiment marrant les vestiaires. Oui, j'en ai déjà mis un. C'est un vase, c'est de l'autre côté. C'est comme ça. Voilà, c'est mieux. Ouais, mais c'est moi, marrant parce que. C'était moi le seul qui en avait mis. Il est trop là. Il y a Quentin qui casse la croûte à côté, on l'a vu. Alors, ben, tu le mets ou tu le mets pas? Vous avez vu ça, c'est marrant parce que. Tu mets ou tu mets pas? Oui, c'est marrant. Tu mets ou tu mets pas? Je peux juste faire un peu de choses. J'essaye de le mettre debout. Ok. Debout. Quand même debout. Ah! 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 Il est tombé. Ah! 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 Aussi, en plus, je chante comme une casserole. Patatatatata. Toi aussi, t'as une petite lampe? Petit elle est trop belle, cette petite lampe. Attends, est-ce qu'il y a. Mais elle est plus dorée, j'ai l'impression. Ah ouais, tu crois? Ça veut dire qu'elle, il y a vraiment le génie. Alors, je sais pas, les amis, si vous voyez ça, mais on a mis tout un magot là-dessus. Je pense que ça va pas tarder à bim, balaboum, boum, boum. Hein. Après, on va essayer avec une difficulté. Hein. Moi, je vais prendre le plus lourd, c'est les pièces. Voilà, après. Je sens que c'est les pièces. Non, je sens pas. Franchement, ça fait magique quand même. Hein ouais. Je sens que c'est les pièces. Et j'adore ce jeu, en fait. En fait, c'est tout. Moi aussi, je le voyais depuis que j'ai vu sur YouTube. Je sais pas si vous voyez que là, c'est des toutes petites pièces. Un chocolat, non, pas un chocolat, non. Un plastique. Des toutes petites pièces avec regarde, la vie d'Aladin. Regarde, je montre au copain. Regarde, il y a la vie d'Aladin. Tu vois la vie d'Aladin. Il y a la vie d'Aladin. Ah bon, il y a la vie d'Aladin. Dites-nous si vous voyez la vie d'Aladin. Oui, mais regardez, vous voyez les petites pyramides dessus là, tu vois? Ok, parce qu'Aladin vivait dans une pyramide. Non, ah. Il y a des petites pierres là, des petits dessins là, t'as vu? Ok, ouais, là. Si tu le dis. Sinon, c'est le trésor de Jack Sparrow que Aladdin lui a volé. Attention. Non, c'est pas ça la musique. Vous l'avez vu? Ben, gars, je ne sais même plus la chanson. Allez, tu joues ou tu joues pas? Tu joues? Allez, tu joues. Pouf. Pouf. Mais c'est Jack Sparrow. Bon, allez, joue. T'as vu? Joue. Ouais, tu vas jouer. Joue. Eh, bientôt, on a tout mis dessus. Allez, regardez, bientôt c'est un échec. Bientôt c'est un échec. On a presque plus de choses. Oh, yeah. Tu vas tomber. Oh, tu vas pas. Mais oui, on a vu. Je sais pas. Vas-y. Allez, vas-y. Passe. Passe. Oh, la passe. Arrête, tu vas te faire tomber. Et après, ce sera elle qui aura tout fait tomber. Hein. Parce que ce sera son tour. Hey, tu peux le faire. 3. 2 1 pause. Il y a une lampe. En fait, c'est elle qui est tout fermée. J'ai eu la peur de ma vie. En fait. Moi aussi, je suis sautée. Franchement, les amis, il est trop bien ce jeu. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais moi, je le trouve trop bien. Alors, ouais. Océane a perdu, vous aurez deviné. Hein, je crois que ça se devine. Tu as perdu. Hey. Donc, tu es éliminée. Voilà. Et t'es tombée. Ouais, comme le tapis volant. En fait. Alors, on continue. Ça va être Corentin contre. Maman. Je vais vous aider à faire le tour. Eh non, tu triches. Ça touche. Il a tout cassé, la machina. Bouge pas. La machina, voilà. Non, ils volent pas là. Moi, je suis pas Copperfield. Monte, stop. A few moments later. Et pourtant, je l'ai touché là. C'est pas un voyage, c'est un piment bleu. Ouais, mais pourtant, j'ai touché ça. Ouais. Le tapis, il a bougé comme ça. Oh. Alors, moi, c'est sans des pièces. C'est pas évident de les mettre au milieu.
Bouge pas. Chut. Premier coffre. Pencher. Oh yeah. Je crois que ça, il a pas aimé du tout, les amis. Alors moi, piment ou ça, on recommence. Parce que je prends vraiment au hasard. Ah ben voilà. Mais moi, en fait, je sais. Et voilà. Après avoir fait une partie, et moi, je sais quels sont les objets en mai. Ok. Je sais. Et le perdant chantera ce rêve bleu, bien sûr, en entier. Et en version originale, à jeu, à cloche-pied, et puis tout nu dans l'escalier. Non, c'est pas vrai. Non, parce que moi, je la connais pas. Moi, je la connais pas, sur la voix bleue. C'est un voyage merveilleux. Dis-moi si je chante bien ou si je chante très mal. Je pense que je chante mal. Ouais. Merci, le clash. Le clash. Le clash. Allez, on y clash, va. Clash, clash Royale. Tu connais Clash Royale? Voilà, tu m'as fait un truc là, mais de toute beauté. Il est beau, regarde, les petites oreilles, les petites boucles là. Les pièces, ce sont les plus lourdes avec le coffre. Ouais. Ah, pour mettre sur l'arrière, comme ça, ça va équilibrer un peu le truc. Tu vois, oh, bah pour toi, il penche plus vers l'avant. Bam. Oh, il a failli tomber. Alors, il faut essayer. Il a failli tomber et toucher le fil. Voilà. Ah. Le sac, mamie, la bague de... Alors, je vais pas mettre sur l'arrière, je vais mettre ici. Et c'est dur hein, quand même de poser dessus, les amis. Franchement, mais il est trop trop bien. Moi, je veux un collier. J'adore. Punaise, je veux un collier pour les mettre. Je pense qu'on va faire un challenge avec des têtes boulées dessus, des trucs. Ouais, que des têtes boulées, allez. Que des têtes boulées. Oh, t'as vu, ça fait une. Regarde, ça fait des pièces sur la somme. Dites-nous le vraiment dans les commentaires si vous voulez challenge avec. Tu as déjà dit au premier. Ah ouais, je suis plus. Bon, je radote, je suis bien vieille. Bien vieille. Hop là. Et un diamant. Ah non, fais pas ça, il va tomber. Ouais, j'en remets un là. Je sais pas si c'est autorisé ça. Ouais. Si attends, j'ai regardé. J'ai regardé. Ah, d'accord. Je sais pas si c'est autorisé par la loi des tapis roulants. Ah, scarabée. Bah oui, c'est pour lui faire des pieds et des oreilles. Ça lui fera les pieds. Ah, la blague. Des bouffes d'oreilles. Ok. Hey. Dans le sac pour mettre dessus, mais il n'y a plus rien à mettre. Mais en fait, on a utilisé tous les colliers. Alors voilà, bah, les loulous, bah, j'ai perdu. J'ai perdu, donc voilà. Allez, on s'est perdu. Comme d'habitude, d'ailleurs, c'est même pas la peine. C'est moi, winner. C'est toujours moi qui perd, toute manière. J'ai gagné. Ouais. Alors, les loulous, Océane nous a rejoint parce que c'est déjà quoi? La fin de la vidéo. Ah, voilà, la fin de la vidéo, on est trop triste. Alors les loulous, ben, dites-nous vraiment dans les commentaires si ça vous a plu, si vous avez déjà joué à ce jeu. Et si vous avez jamais joué à ce jeu, bon, on vous le conseille, non? Parce que moi, j'ai vraiment adoré ce jeu. Est-ce que t'as aimé, toi? Ah ouais, et moi, mon objet préféré, eh ben, c'était l'or. L'or. Et toi, est-ce que t'as aimé ce jeu? Oui, et vous n'avez pas remarqué que lui, c'est le bébé, et lui, c'est la maman, le papa. Je sais pas de quoi il parle. Allez loulou, ben moi j'ai adoré vraiment. Donc on vous conseille vraiment ce jeu, même c'est bientôt Noël, donc vous pouvez peut-être le glisser dans la liste du Père Noël. Et vous pouvez voir que ça c'est vraiment. Et les loulous, bah écoutez, bah, dites-nous le moment que vous avez préféré. Oui. Vraiment, si vous voulez d'autres jeux, si vous voulez challenge avec les Jelly Belly, les têtes brûlées, ou voilà, un truc comme ça, des haricots verts. Mettre des haricots verts, des pois chiches, la soupe, enfin, ou les bouteilles de coca. Voilà, donc dites-nous dans les commentaires, ça se passe là en bas. Et puis, bah écoutez, les amis, on va vous laisser. Et puis bah écoutez, si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut, un petit pouce bleu comme ce rêve bleu avec les colliers bleus, avec les poignards bleus, Corentin qui est le winner de ce challenge, mais j'aurai ma revanche, je l'aurai. Et puis si c'est pas déjà fait, les amis, qu'est-ce qu'on fait? Abonnez-vous. Abonnez-vous. N'oubliez surtout pas d'activer la petite
cloche de notification. Et puis en attendant la prochaine vidéo, vous faites des gros bisous. Ciao ciao les amis. Ciao ciao, ciao. Mouah. Ah, mouah. Ah, ah, vous pouvez tomber. Bisous les amis, ciao ciao.